Donc bonsoir pour cette deuxième rencontre que voilà, dont nous devons à Denis Guénoun, que on remerciera, je ne crois pas assez, parce que la première séance sur l'être, la petite question de l'être, nous a enthousiasmés, enfin moi personnellement et de plusieurs personnes qui me l'ont dit, et donc c'est vrai qu'il y a un peu, c'est un peu, je veux dire, un signe que quand même quelques-uns soient revenus aujourd'hui, des survivants, avec un sujet difficile, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est ce challenge un petit peu, comme on dit en français, ce défi de grimper, c'est pas vraiment un Everest, mais c'est quand même un joli Mont Blanc quand même, de monter sur ce sommet de la philosophie, de la théologie qu'est Emmanuel Lévinas. Et c'est vrai que moi j'ai plusieurs fois essayé de lire des livres de Lévinas, il y en a quelques-uns qui sont lisibles dans les lectures talmudiques un petit peu. Pour d'autres, je dois dire que c'est quand même difficile à lire tout seul. Donc c'est vrai que je me réjouis tout à fait d'avoir cette aide de Denis pour lire cette page de Lévinas qui est déjà touchante à survoler comme un béotien. Mais voilà, je me réjouis beaucoup de t'entendre, Denis. Donc merci beaucoup. Alors souvent, il y a un temps où tu vas parler et puis déjà, vous pouvez préparer vos questions, chemin faisant, pour débattre de ça. Merci Marc, merci beaucoup à vous tous de votre présence. Je suis très touché que malgré la difficulté du texte, dont certains ont témoigné avec quelques grondements, je suis très touché que vous soyez néanmoins là, et je vous en remercie. Alors, lisons-le d'emblée. Je pense que cette lecture que je vais vous en proposer durera, comme le mois dernier, une quarantaine de minutes. L'idée de l'infini et le visage d'autrui. Alors, j'ai numéroté les lignes pour que, quand nous ferons référence à des passages du texte, on puisse s'y retrouver plus facilement. L'expérience, l'idée de l'infini, se tient dans le rapport avec autrui. L'idée de l'infini est le rapport social. Ce rapport consiste à aborder un être absolument extérieur. L'infini de cet être, qu'on ne peut pour cela même contenir, garantit et constitue cette extériorité. Elle n'équivaut pas à la distance entre sujet et objet. L'objet, nous le savons, s'intègre. Alors, ce « nous le savons » a fait jaser et un peu gronder aussi. Mais c'est très simple, c'est simplement parce qu'il se réfère là à la page immédiatement antérieure du texte, dont nous allons dire un mot, bien sûr, en traversant ces lignes. L'objet, nous le savons, s'intègre à l'identité du même. Le « moi » en fait son thème. Et dès lors, sa propriété, son butin ou sa proie, ou sa victime. L'extériorité de l'être infini se manifeste dans la résistance absolue que, de par son apparition, de par son épiphanie, il oppose à tous mes pouvoirs. Son épiphanie n'est pas simplement l'apparition d'une forme dans la lumière, sensible ou intelligible, mais déjà ce non lancé au pouvoir. Son logos est tu ne tueras point. Certes, autrui s'offre à tous mes pouvoirs, succombe à toutes mes ruses, à tous mes crimes. On me résiste de toute sa force et de toutes les ressources imprévisibles de sa propre liberté. Je me mesure avec lui. Mais il peut aussi, et c'est là qu'il me présente sa face, s'opposer à moi par-delà toute mesure, par le découvert total et la totale nudité de ses yeux sans défense, par la droiture, par la franchise absolue de son regard. L'inquiétude solipsiste de la conscience se voyant dans toutes ses aventures captives de soi
prend fin ici. La vraie extériorité est, excusez-moi, il manque un T, hein, est dans ce regard qui m'interdit toute conquête. Non pas que la conquête défie mes pouvoirs trop faibles, mais je ne peux plus pouvoir. La structure de ma liberté, nous le verrons plus loin, se renverse totalement. Ici, s'établit une relation non pas avec une résistance très grande, mais avec l'absolument autre, avec la résistance de ce qui n'a pas de résistance, avec la résistance éthique. C'est elle qui ouvre la dimension même de l'infini, de ce qui arrête l'impérialisme irrésistible du même et du moi. Nous appelons visage l'épiphanie de ce qui peut se présenter aussi directement à un moi et par là même aussi extérieurement. La résistance éthique est la présence de l'infini. Si la résistance au meurtre, inscrite sur le visage, n'était pas éthique mais réelle, nous aurions accès à une réalité très faible ou très forte. Elle mettrait peut-être en échec notre volonté. La volonté se jugerait déraisonnable et arbitraire. Mais nous n'aurions pas accès à l'être extérieur, à ce qu'absolument on ne peut ni englober, ni posséder, où notre liberté renonce à son impérialisme du moi, où elle ne se trouve pas seulement arbitraire, mais injuste. Mais dès lors, autrui n'est pas seulement une liberté autre. Pour me donner le savoir de l'injustice, il faut que son regard me vienne d'une dimension de l'idéal. Il faut qu'autrui soit plus près de Dieu que moi. Ce qui n'est certainement pas une invention de philosophe, mais la première donnée de la conscience morale, que l'on pourrait définir comme conscience du privilège d'autrui par rapport à moi. La justice bien ordonnée commence par autrui. Voilà. Et puis voici le parcours que je vous en propose et que j'ai intitulé tout simplement « Le visage de l'infini ». Emmanuel Lévinas est un philosophe d'une énorme importance dans la pensée contemporaine et, pour être sincère, un de ceux que je lis le plus. Pourquoi cette œuvre me nourrit-elle? Évidemment, Lévinas est un penseur juif, même si son influence s'étend largement au-delà du judaïsme. Et l'on peut imaginer que cela me le rend proche. Pourtant, mes dialogues les plus vifs ne se sont pas établis avec la pensée juive. Je ne l'ignore pas, je la fréquente, de façon par moments intense, comme aussi d'autres spiritualités plus lointaines, mais j'ai reçu mes chocs les plus forts du marxisme d'une part et du christianisme de l'autre. Mes parents, très athées, instituteurs républicains, étaient animés d'une incontestable fidélité aux sources juives, qu'ils m'ont transmise, mais avec, simultanément, un regard critique sur le judaïsme institué. Et je m'attache à cultiver ce double lait. Du coup, je me sens très concerné par de grands penseurs, juifs par filiation, familiale et intellectuelle, mais marquant un écart. Spinoza, bien sûr, et aussi Marx, Bergson ou Simone Weil. Ce que ne fait pas Lévinas. Or, plus je m'engage dans un lien au christianisme, par exemple ici, à l'oratoire, plus je me retrouve, sans l'avoir trop délibéré, occupé à mieux comprendre un élan qui me soutient et me soulève, issu de l'héritage juif, et que je reconnais sans peine. Je souhaite vous remercier pour cette impulsion. Lévinas m'y aide beaucoup. Car si lui a vécu sa judéité sans réserve, personnellement et institutionnellement, surtout après la guerre et l'expérience du nazisme, on peut dire que sa pensée est obsédée par le désir d'exprimer le sens universel du judaïsme, l'universalisme juif, à l'envers de son particularisme supposé.
Et c'est sans doute une des raisons qui me rendent sa pensée si précieuse. J'en vois une autre. Les textes de Lévinas soulèvent, prennent le lecteur, s'il y entre, dans un transport, à quoi je suis très sensible. Question de style, au sens profond. Style d'écriture, sans doute, mais aussi de pensée. Sa pensée, comme sa plume, a cette force d'entrain. On se sent à la lecture, pas toujours, certains textes, certains écrits sont arides, emportés par un souffle qui va croissant à mesure qu'il, Lévinas, vieillit. Le vieillard, Lévinas, ne s'assagit pas. Au contraire, cette capacité, nous allons peut-être le sentir ce soir dans une page pourtant assez calme, se noue à la force éthique ou simplement morale de son style. Quoi qu'il en soit, l'auteur occupe une position particulière dans la philosophie française du dernier siècle. Né en Lituanie en 1906, élevé en Russe et bientôt en Russie, il arrive à Strasbourg en 1923 et obtient la nationalité française en 1931. En 1928 et 1929, il séjourne à Fribourg, en Allemagne, où il suit l'enseignement d'Edmund Husserl et de Martin Heidegger, respectivement fondateur et rénovateur de cette école de pensée qu'on appelle la phénoménologie. Lévinas jouera un très grand rôle dans l'introduction en France de ces deux penseurs de premier plan. Par sa thèse de doctorat, une des toutes premières études de fond sur Husserl, ses traductions, très précoces et très influentes, et certains articles retentissants. Le paradoxe de ce lien tient à ce que la grande notoriété de Lévinas sera tardive. À partir des années 60, et surtout 70 et 80. Cette célébrité philosophique est donc survenue dans une vague postérieure à celle de Sartre, ou Merleau-Ponty, connus, eux, dès les années 40 et 50, pour leur dialogue avec la pensée allemande, Husserl et Heidegger en particulier. De sorte que Lévinas apparaît souvent, et assez légitimement à certains titres, comme un philosophe plus récent, qui opère même une sorte de mutation par rapport à ce premier existentialisme, pour employer cette catégorie un peu usée. On en vient alors à oublier que Lévinas a fait connaître et commenter ses auteurs beaucoup plus tôt et que c'est sans doute à ses premiers écrits et traductions que Sartre, par exemple, doit de s'être introduit à la phénoménologie. Je vous ai proposé de lire ce soir un fragment d'un article intitulé « La philosophie et l'idée de l'infini », initialement paru dans la célèbre Revue de métaphysique et de morale en 1957. Lévinas est alors engagé dans la préparation de sa seconde thèse, qui sera publiée en 1961, sous le titre « Totalité et infini », ouvrage qui marque le début de sa célébrité mondiale et de son immense influence. Le passage dont nous parlons est la quatrième section de cet article. Nous allons, de ce texte, tenter de dégager quelques phases ou affirmations principales. Mais cela va nous conduire, comme vous allez le voir, à nous attarder assez longuement sur les toutes premières lignes, car l'ensemble du développement est conditionné par un nœud de propositions qui figure dans le premier et le deuxième paragraphe, et qui d'ailleurs nous demanderont, sur un point au moins, de nous référer aux pages qui précèdent. La première de ces propositions est celle qui ouvre notre extrait aux lignes 1 et 2. L'expérience, l'idée de l'infini, se tient dans le rapport avec autrui. L'idée de l'infini est le rapport social. Cette affirmation pose une relation étroite, puis même une équivalence, entre l'expérience ou l'idée de l'infini d'une part, et d'autre part, le rapport à autrui, le rapport social. La jonction est inattendue. Ordinairement, on relie plutôt l'expérience de l'infini à l'idée du cosmos, de l'immensité céleste, ou à la structure de la matière. Elle concerne alors
une réalité physique plutôt que sociale, le macro ou microcosme plutôt que le monde humain. Pour comprendre la raison qui conduit à assimiler ainsi l'infini à autrui, il faut lire la ligne suivante. Ce rapport, la ligne 3, ce rapport consiste à aborder un être absolument extérieur. Ce qui relie l'infini et autrui, c'est cette extériorité absolue. En ce qui concerne Lévinas, en ce qui concerne l'infini, Lévinas vient de s'en expliquer dans la page qui précède immédiatement la nôtre et que je résume brièvement. C'est dans Descartes que Lévinas a toujours déclaré trouver le noyau de cette pensée. Ce que Descartes éclaire, pour Lévinas en particulier, c'est le paradoxe de l'idée de l'infini en nous. L'infini nous dépasse infiniment. Il ne peut pas entrer en nous. Nous ne pouvons pas en faire l'expérience directe, simple. Donc l'idée de l'infini en nous est l'idée de quelque chose qu'elle, l'idée, ne contient pas, qu'elle ne peut pas contenir, puisque l'idée est en nous et que nous ne pouvons pas contenir l'infini. S'établit ainsi une différence radicale entre l'idée de l'infini, qui est en nous, et ce dont elle est l'idée, qu'elle vise ou qu'elle désigne, et que nous ne pouvons pas contenir. C'est toujours vrai, direz-vous. Il y a toujours cette différence entre une idée et son objet. Mais ici, l'écart est plus essentiel, il est absolu. L'idée de l'infini est l'idée en nous de quelque chose qui nous dépasse absolument. C'est pourquoi, selon Descartes, nous ne pouvons pas être à l'origine de cette idée. Elle ne peut pas émerger de nous, comme par exemple les idées de Platon apparaissent, les idées chez Platon apparaissent par réminiscence. Lorsque nous les découvrons, nous ne faisons en fait que nous en ressouvenir. L'idée de l'infini ne peut pas nous être strictement intérieure. Pour Descartes, ici repris par Lévinas, l'idée de l'infini a été mise en nous. L'idée de l'infini atteste notre relation à quelque chose de radicalement externe. C'est vrai, pourrait-on penser, de toute connaissance. Toute connaissance est une relation à quelque chose qui nous est extérieur, sans doute. Mais d'après Lévinas, et là c'est là qu'on touche à la question que vous me posiez à l'instant, mais d'après Lévinas, la connaissance en général réduit cette extériorité. La connaissance est intégration de l'extérieur dans l'intérieur, du différent dans le même. C'est ce que, dans sa langue philosophique, Lévinas appelle souvent thématisation, position comme thème. Le thème, dans le discours, constitue un objet comme posé face à moi. Le thème est intégré dans le regard du moi. Et à ce titre, il participe de l'économie du même, qui s'approprie l'extériorité dans la mêmeté, ou si vous voulez, dans l'identité du rapport que j'établis entre moi et ce que j'organise comme étant mon monde. C'est là un point essentiel de cette réflexion. La thématisation, la connaissance, intègre le dehors dans la structure du même. On peut évidemment discuter cette conception, ne pas y souscrire. Mais poursuivons. Il se trouve que l'idée de l'infini résiste à cette intégration. Elle ne s'y plie pas. Elle atteste, de façon toute différente, la présence en nous de quelque chose qui nous dépasse infiniment et qui refuse de s'incorporer à notre connaissance comme thème. En nous, elle témoigne pour un dehors qui, en un sens, reste dehors et vers lequel elle fait signe. Lévinas écrit, immédiatement avant notre passage, « L'infini ne rentre pas dans l'idée de l'infini. Il n'est pas saisi
mais là il y a une résonance avec le mot allemand, cette idée n'est pas un concept, parce que concept se dit en allemand avec un terme qui désigne précisément le fait de saisir, comme dans l'image quand on dit « j'ai pas bien saisi bon, ». Voilà. Ce n'est pas un concept. L'infini, c'est le radicalement, l'absolument autre. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec l'idée mathématique d'infini, puisque nous avons la chance d'avoir des matheux ici dans la salle ce soir, je ne sais pas, moi je n'en sais rien. Je lis le texte à la suite de Lévinas. Ainsi, juste avant les lignes que nous avons sous les yeux, Lévinas a établi un rapport entre infini et altérité. Celle-ci va devenir un des motifs principaux de sa philosophie. Et même une sorte d'emblème pour la désigner, celle-ci, l'altérité. Mais dans notre passage, l'auteur fait un pas de plus. Il ne se contente pas de caractériser l'infini comme autre. Il dit précisément que l'idée de l'infini se tient dans le rapport avec autrui. C'est une nouveauté surprenante, car il ne s'agit plus alors de l'autre ou de l'altérité comme catégorie générale, qui marquerait l'idée de l'infini, mais d'autrui, c'est-à-dire de quelqu'un qui existe et me côtoie. Comment s'établit ce lien entre l'infini et autrui, tel autrui déterminé, précis, près de moi ou lointain? Le rapport s'est fait, nous l'avons vu, par l'extériorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Car autrui n'est pas seulement extérieur, au sens où il est hors de moi, différent de moi. Cela, on pourrait le dire, de n'importe quelle chose. L'extériorité dont il s'agit est, pour autrui, plus tranchée. Et dans ce paragraphe, Lévinas la précise de trois façons que je vais essayer de caractériser brièvement. Première différence. Différence donc entre autrui et tout le reste de ce qui pourrait m'être extérieur. D'une part, autrui n'est pas un objet. Non pas seulement parce qu'autrui est vivant, alors qu'un objet reste une chose inerte. La différence est plus forte. Autrui n'est pas un objet au sens de la relation entre sujet et objet. Cette relation a été posée dans la philosophie comme le mode général de toute expérience, la forme même de la présence du monde. D'après ce schéma, tout ce que j'appréhende se présente devant moi comme objet d'une relation dont je suis le sujet. Or, pense Lévinas, cette structure sujet-objet est précisément celle qui intègre tout le différent dans le même. C'est le mode du savoir connaissant. L'altérité d'autrui, va dire Lévinas aux lignes 5 à 7, n'équivaut pas à la distance entre sujet et objet. L'objet, nous le savons, s'intègre à l'identité du même, le moi en fait son thème. Ainsi considéré, la connaissance de quelque chose, ou sa simple position comme objet, dans la relation sujet-objet, implique de réduire son altérité, de l'intégrer dans le dispositif identifiant dirigé par le moi. Mais le développement que nous lisons va déborder cette précision qui pourrait être pour nous déjà acquise, et l'auteur le note bien par son « nous le savons ». Car par un de ces glissements qui font la marque du style de Lévinas et lui donnent, à mes yeux ou à mes oreilles au moins, son charme fou, en continuant la phrase, il nous entraîne sur un autre terrain. L'objet, nous le savons, s'intègre à l'identité du même, le moi en fait son thème, d'accord ? Et dès lors, sa propriété, son butin, ou sa proie, ou sa victime. Ici, on a quitté sans prévenir le domaine du théorie de la connaissance pour entrer dans un tout autre espace. Il ne s'agit pas seulement de critiquer une méconnaissance de l'autre, inappropriée. L'autre en tant qu'humain serait différent de l'autre en tant que chose, ce qui est exact, bien sûr. Mais reste sur le plan de la connaissance objective, du rapport sujet-objet. Dans le glissement que contient cette phrase, surgit un lien d'appropriation
le moi en fait sa propriété, même d'appropriation guerrière, son butin, donc violente, sa proie, et ainsi meurtrière, sa victime. On passe alors d'une objection que les philosophes appelleraient épistémologique, c'est-à-dire portant sur ce qui pourrait être une mauvaise connaissance, autrui n'est pas une chose, à une mise en question qui concerne le principe même de la connaissance comme réduction à l'identité, mais aussi comme appropriation guerrière, comme meurtre. On a changé de plan. Les mots sont ici ceux du combat, de la violence, de l'histoire. Totalité et infini, le premier grand livre de Lévinas, écrit au même moment, s'ouvre sur des pages célèbres qui concernent la paix. Écrit dans le contre-coup de la guerre, c'est un livre sur la paix. Deuxième différence. Autrui, comme infini, n'est donc pas un objet devant le moi sujet. Mais en second lieu, il n'est pas non plus un autre moi. C'est un point sur lequel la pensée de Lévinas va beaucoup s'attarder et qui va la différencier, par exemple, de célèbres analyses de Husserl ou de Sartre. Car on pourrait dire qu'autrui n'est pas un objet, mais seulement pour le reconnaître comme un autre sujet, un autre moi, en dehors de moi. Lévinas, sans renier la part d'évidence contenue dans cette approche, la met en cause. Car poser autrui comme un autre moi, c'est le réduire encore à ce que je suis par ce lien d'analogie. C'est à nouveau l'absorber dans le modèle de mon identité à moi-même, avec un simple transfert ou extension de ce modèle. C'est une autre façon d'ignorer ou d'écraser son altérité. C'est en faire mon clone, dirait-on aujourd'hui, le même que moi par duplication, le même que moi-même, et donc le même que ce même que je suis, ou que je crois être. La vision que propose Lévinas pose l'altérité d'autrui comme absolue. Autrui se manifeste devant moi, ou à côté, comme altérité sans fond, et en ce sens, infinie. Il l'a dit dans notre phrase d'entame, c'est le lieu de l'infini. L'infini n'a pas, dans ce contexte, d'autres lieux que cette différence, que cette altérité. L'infini, c'est autrui. Parce qu'autrui et l'infini, l'autrui infini, se présentent à ma conscience comme cette extériorité qui la dépasse absolument et dont l'idée se trouve pourtant en moi, mais excède ma conscience, outre et force les limites de ma tête. Lévinas, une page plus tôt, l'exprimait dans un jeu de formules magnifique, que je cite, « En pensant l'infini, le moi d'emblée pense plus qu'il ne pense. Le penseur qui a l'idée de l'infini est plus que lui-même, et ce gonflement, ce surplus, ne vient pas du dedans. » Ce qui nous conduit à la troisième différence, la plus profonde peut-être, à la troisième dimension où se creuse le caractère radical de cette altérité. Exprimons-la par une image. Le rapport avec autrui est essentiellement dissymétrique. En quel sens? Pour préciser la nature de cette extériorité, Lévinas procède à un nouveau glissement de terrain. C'est dans la fin de notre deuxième paragraphe, car après tout, nous en étions restés jusqu'ici aux premières lignes du texte, lorsqu'il écrit aux lignes 8 à 10, « L'extériorité de l'être infini se manifeste dans la résistance absolue que, de par son apparition, de par son épiphanie, il oppose à tous mes pouvoirs. » Observons précisément ce qui se joue, ce qui se passe dans cette nouvelle affirmation. Premier élément, l'extériorité, dont nous ne cessons de parler, se manifeste désormais comme résistance. L'introduction de ce nouveau terme est remarquable. Il ne s'agit plus seulement de tracer une limite d'aspect spatial ou topographique entre l'infini et autrui, à quoi il équivaut, d'une part, et moi, d'autre part. Il ne s'agit pas de cette disjonction ou séparation cadastrale. Dans son extériorité, par elle, l'autre,
et l'infini qu'il pose me résiste. On retrouve le registre social ou moral du conflit, de la violence, annoncé tout à l'heure par les mots de proie et de victime, mais avec une dimension encore nouvelle. En explicitant, tout au long du troisième paragraphe, le statut de cette résistance, Lévinas sera conduit à conclure aux lignes 27-28, auxquelles je saute un instant, qu'elle, cette résistance, arrête l'impérialisme irrésistible du même et du moi. L'appropriation par et dans l'identité, le même, est ici nommée comme un impérialisme, par une formule historique ou géopolitique. Le rapport entre le moi et l'autre n'est pas seulement celui d'une différence, mais bien d'une lutte où une énergie d'obstruction s'oppose à une force, le moi, qui prétend soumettre par son entreprise de réduction au même. Résistance opposée par l'autre infini qui vient entraver cette domination. C'est ce qu'indique la phrase où nous nous sommes arrêtés, à la ligne 10. Cette extériorité se manifeste dans la résistance que l'infini ou l'autre oppose à tous mes pouvoirs. Elle est un non, ligne 12, un non lancé au pouvoir. Le moi n'est plus seulement mis en cause comme connaissance, ou plutôt cette connaissance qu'il met en jeu ne se manifeste plus comme simple disposition épistémologique qui concerne les sciences, ou gnoséologique qui concerne la connaissance, mais l'appropriation que nous avons vue apparaître est désormais caractérisé comme « pouvoir », terme qui, notons-le, est employé ici au pluriel. Le rapport de connaissance se présente, stricto sensu, comme un rapport de force. Or, cette impression se voit immédiatement désarçonnée à nouveau. Car si nous lisons bien cette phrase, l'extériorité s'exprime par la résistance que son apparition oppose à tous mes pouvoirs. La force de cette résistance se tient dans son apparition. Étrange manière de poser un rapport de force. Non par une vigueur s'opposant à une autre dans un affrontement comme deux fronts de taureaux ou de cerfs se tiennent tête jusqu'à ce que l'une de ces forces cède parce que l'autre est plus puissante. Rien à voir avec cette compétition des énergies de même nature et commensurable, dont l'une va l'emporter parce qu'elle est quantitativement la plus grande. Ce qui s'oppose à la force de tous mes pouvoirs, à leur domination, à leur appropriation, qui constitue ces objets en proie et en victime, c'est, de l'infini ou de l'autre, une apparition. Et pour bien nous convaincre de ne voir là aucun floutage de termes, Lévinas ajoute une épiphanie. L'épiphanie est la manifestation de ce qui apparaît, étymologiquement, qui brille, finé. Ce qui résiste à tous mes pouvoirs est un apparaître. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un affrontement dynamique quantitatif, quoi qu'il puisse exister aussi, ce que Lévinas indique lorsqu'il dit de l'autre que « je me mesure avec lui ». Lévinas déploie cet écart dans le troisième paragraphe, comme par ailleurs dans une grande partie de son œuvre. L'autre me résiste, non comme force qui s'oppose à mes forces et s'y mesure, mais comme faiblesse, comme vulnérabilité. Ce qui m'apparaît dans l'épiphanie d'autrui, c'est sa fragilité, son exposition, sa nudité sans défense, c'est-à-dire, pour Lévinas, son visage. C'est par lui qu'il s'oppose à tous mes pouvoirs, au-delà de toute mesure. C'est-à-dire au-delà de tout rapport de compétition et quantitatif et énergétique. Ce terme, visage, cette notion, ce concept, sont au cœur de la pensée lévinassienne. Le visage ne se manifeste pas devant moi comme une contre-force qui vient s'opposer à ma force pour la soumettre à son tour, par exemple dans l'affrontement des regards qui était cher à Sartre. Le visage est l'exposition nue d'une faiblesse qui l'emporte sur ma force
parce qu'elle la rend impuissante à s'exercer comme force nue. Non pas, dit Lévinas, je cite ligne 22-23, que la conquête défie mes pouvoirs trop faibles, mais je ne peux plus pouvoir. Le visage qui m'apparaît m'adresse une interpellation devant laquelle mon pouvoir défaille, qui le désarme. Car le visage, même dans son plus profond silence, me parle. Il m'adresse l'interdit de la violence. Bien sûr, je peux passer outre. Certes, dit Lévinas, aux lignes 13-14, autrui s'offre à tous mes pouvoirs, succombe à toutes mes ruses, à tous mes crimes. Je peux être plus fort, me constituer en meurtrier. Mais le visage me dit, en silence ou pas, l'interdit absolu, sans limite, infini, du meurtre. Un nouveau et dernier glissement s'est mis en branle. L'extériorité infinie ne me situe pas devant une force qui me résiste, mais devant une apparition qui me stupéfie. Et cette apparition n'est pas seulement une structure visible qui se donne à voir. Elle est un sens, une parole, un logos. Ce qui veut dire parole, comme vous savez, par un certain aspect en grec. Lévinas écrit, ligne 10-12, vous l'aviez évidemment entendu, son épiphanie n'est pas seulement l'apparition d'une forme dans la lumière, sensible ou intelligible, mais déjà ce nom lancé au pouvoir. Son logos est « tu ne tueras point ». Voilà pourquoi aucune théorie de la connaissance ne suffit à rendre compte du dehors infini de l'autre. Cette altérité est éthique, et nous reviendrons sur ce terme si vous le souhaitez. Bien sûr, l'autre n'est pas une chose, même s'il peut être traité comme objet. Il n'est pas plus un analogue de ce que je suis, même s'il peut être posé comme équivalent, similaire. Mais il est foncièrement une altérité éthique infinie. Un visage qui me regarde fourbir mes armes, préparer ma violence et me dit, même dans le plus profond silence, « tu ne tueras point ». C'est en quoi le rapport d'extériorité manifeste une dissymétrie extrême qui interdit toute assimilation à un autre moi-même, non pas force équivalente devant ma force, qui se mesure l'une à l'autre, mais faiblesse devant force. Épiphanie contre pouvoir, silence du visage devant le bruit des armes qui s'équipent, éthique qui fonde ce que Lévinas qualifiait, dès nos premières lignes, comme résistance absolue. Non pas résistance relative à notre puissance, mais absolue d'une extériorité qui se tient devant tous nos pouvoirs et nos désirs d'appropriation. Lévinas résume cette réflexion dans la phrase qui ouvre le dernier paragraphe de notre essai, à la ligne 31. La résistance éthique est la présence de l'infini. La résistance éthique, qui résiste au mal, donc à la violence, donc au meurtre, se tient dans une présence visible dans le visage de l'autre, présence de l'infini. C'est une présence, pas une référence. Elle n'en appelle pas à l'autre, ses intérêts, sa faiblesse, sa fragilité, même si ce recours est nécessaire aussi. Elle se tient en sa présence. Présence d'autrui, tel autre, celui-ci, où s'exprime une altérité radicale, ce qui nous reconduit à l'ouverture, l'expérience, l'idée de l'infini, se tient dans le rapport avec autrui. Or, cette considération a deux dernières conséquences, dernière seulement dans notre parcours. La première est qu'autrui ne peut pas être reçu si on n'éprouve pas en lui l'infinité de l'autre. Ce que nous voyons, sentons, expérimentons par la présence d'autrui est ce que Lévinas désigne dans ses pages comme l'infini, c'est-à-dire l'autre absolu. C'est en ce sens qu'autrui n'est pas seulement ou pas du tout un autre moi analogue à moi que je pourrais aborder par le seul sentiment de similitude. Ce sentiment est sans doute nécessaire, une étape pour arracher l'autre à sa position d'objet, de chose,
à sa chosification, mais cette étape ne suffit pas. Si on n'accède pas à l'épreuve d'autrui comme absolument autre, à l'altérité comme absolue. Seule cette altérité sans réserve ni fond peut m'ouvrir à l'infini éthique, c'est-à-dire au sentiment de ce que Lévinas appelle la justice. Car la justice n'est pas un équilibrage entre des moi analogues, elle me fait accéder au respect de l'altérité dans son vertige. C'est pourquoi il écrit, aux lignes 38 à 41, « Autrui n'est pas seulement une liberté autre. Pour me donner le savoir de l'injustice, il faut que son regard me vienne d'une dimension de l'idéal. Il faut qu'autrui soit plus près de Dieu que moi. » Respecter autrui, c'est respecter en lui l'altérité sans fin et sans fond, transcendance absolue par rapport à moi, à tout moi, à toute identité de moi, analogue à la mienne, sortir absolument de l'impérialisme du moi pour s'ouvrir à une extériorité démesurée. C'est ainsi que, pour ma part, j'entends la phrase que rapporte Matthieu, « Ce que vous avez fait au dernier de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » On pourrait y déceler un risque. Ce serait que cette conception conduisent à dissoudre la singularité d'autrui comme personne concrète dans l'idée du grand autre, dans une idée du divin où la présence vive d'autrui pourrait se noyer. Je ne pense pas que l'objection tienne. Car s'il est vrai qu'autrui n'est accessible que comme présence de l'infini, ou de Dieu, pour le dire dans ces termes, et Lévinas n'y répugne pas, pour moi c'est moins simple, mais nous en reparlerons. Si cela est vrai, donc, à lire Lévinas, il semble vrai, réciproquement, que nous n'avons d'autre accès à Dieu que dans et à travers la présence d'autrui. Dieu, l'infini, l'absolu de l'altérité, le tout autre, ne se donne à notre expérience dans aucune autre situation ni par aucune autre voie que le visage effectif et apparaissant de quelqu'un, même s'ils ne s'y réduisent pas. Lévinas était rétif à tout mysticisme émotif, fusionnel, qui prétendrait à une expérience directe du divin. Et comme on sait, le judaïsme, mais pas seulement lui, a posé l'impossibilité de voir Dieu en face, d'avoir accès à la face de Dieu. Dieu n'offre pas d'autre face à nos yeux que la face de l'autre, l'autre face, même s'il ne s'identifie pas à elle. C'est sans doute discutable, et nous pourrons y revenir quand vous le souhaiterez. En tout cas, cela écarte le risque de voir, dans la pensée de Lévinas, le visage de l'autre, dans sa singularité absolue, s'effacer ou se dissoudre dans l'image d'une altérité majeure qui viendrait le relever, comme on relève la garde, prendre sa relève. D'ailleurs, le mot « visage » dans cette pensée doit être entendu en un sens qui n'induit pas seulement le respect dû à la face, mais qui concerne l'autre, tout l'autre, dans sa présence intégrale, intègre. Permettez-moi de citer ici, comme je le fais volontiers, un passage de Montaigne, relevé par le cinéaste Robert Bresson dans ses notes sur le cinématographe. Je cite Montaigne. « Je ne sais qui demandait à un de nos gueux, un mendiant, qu'il voyait en chemise, en plein hiver, aussi scarbilla que tel qui se tient emmitonné dans les marques. » Alors scarbilla, ça veut dire apparemment alerte, en forme, énergique. « Aussi scarbilla que tel qui se tient emmitonné dans les marques, c'est-à-dire dans les fourrures, jusqu'aux oreilles, comment il pouvait avoir patience ?» Vous voyez la situation, hein, voilà, un gueux qui est complètement dénudé, ou presque, avec une chemise, en plein hiver, en plein froid, et qui se tient aussi énergique et en pleine forme que tel autre qui serait dans des manteaux emmitonnés. Et il lui demande comment il pouvait avoir patience, c'est-à-dire comment il pouvait supporter ça. Et la réponse est « Et vous, monsieur » répondit-il. « Et vous, monsieur » répondit-il. « Vous avez bien la face découverte. Or moi, je suis tout face. » Tout face. Je ne sais pas de propos aussi radicalement lévinassien que celui-ci. Et ce n'est sans doute pas un hasard qu'il nous vienne
par Montaigne d'un clochard quasi dévêtu en plein cœur de l'hiver. Merci voilà. Beaucoup. Oui, la distance là. Alors peut-être pour alimenter les premières questions, tu disais qu'effectivement le Lévinas n'est pas tellement branché mystique. C'est-à-dire que je ne sais pas si son Dieu c'est quelqu'un qu'on a envie de tutoyer ou si c'est quelqu'un qui dit « je » finalement, comme au buisson ardent « je suis ». Peut-être que c'est plus donc dans l'éthique, mais l'éthique, est-ce que c'est pas un peu abstrait quand même? Est-ce que ça ouvre à un dialogue avec l'autre? Est-ce que ce Dieu qu'il reconnaît dans l'autre, ou donc il peut reconnaître une trace, peut-être, je ne sais pas si c'est dans l'autre ou si c'est dans le rapport à l'autre, est-ce qu'on a envie de le tutoyer? Est-ce qu'on a envie de l'écouter de... Non, on en a besoin pour aller vers Dieu, puisque Dieu se manifeste à travers lui. Il n'y a pas de contact direct avec Dieu. Il faut donc qu'une voie s'ouvre. Le Christ l'a dit lui-même, je suis la voie. Mais toute la Bible montre que si l'on se trouve en face de Dieu, on grille comme dans le buisson ardent. Il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas d'ailleurs une idée propre au christianisme. Elle existait dans les autres religions qui coexistaient à cette époque. Donc, la façade de Dieu est très cachée, et Augustin le dit très bien, lorsqu'il dit dans une phrase que je vais peut-être un peu transformer, parce que je n'ai pas la citation exacte, mais en fait, quand il dit « Cherchez Dieu, cherchez-le sans cesse, car il est caché. Et quand vous l'aurez trouvé, continuez à le chercher, car il est immense. » Donc, je pense qu'il faut chercher Dieu à travers l'autre, et non pas... on peut l'avoir en tant qu'idée, mais pour le trouver, il faut se rapprocher de l'autre. Se rapprocher de l'idée pure me paraît très difficile. Il y a un psaume qu'on chantait au Saint-Esprit et qui disait « Donne-moi ta sagesse, que je puisse entrevoir l'ombre de ton mystère. » Ça nous met très loin. Et pour moi, personnellement, c'est la conception que j'ai de Dieu. Il est loin et présent en même temps. C'est-à-dire que nous avons tendance à l'anthropoiser, si c'est français, donner une structure humaine, alors qu'il est tout autre chose. C'est difficile de concevoir ce qu'est un esprit, mais je le conçois comme tel, c'est-à-dire loin et présent en même temps, à travers le Christ. Michel ? Tu as dit la justice et le respect de l'altérité dans son vertige. Est-ce que je peux entendre dans justice plutôt justesse, c'est-à-dire lucidité, ce qui serait la vraie connaissance au-delà de l'appropriation, ce serait de reconnaître ce qui est juste, c'est-à-dire que l'autre, je ne peux pas le reconnaître, il est irréductible parce qu'il est l'infini. Est-ce que justice, comment est-ce à comprendre ce terme de justice ? Qui est une idée qui revient très très souvent dans la Bible, Dieu nous demandant d'être juste. Donc, comment on entend justice ? Bon, les questions sont à plusieurs, dans ce genre de conversation, sont nécessairement à plusieurs niveaux. Il y a l'œuvre de Lévinas. Elle est immense, elle s'est déployée sur... pas plus de 60 ans, 60 d'années, et donc par définition elle est aussi multiple. Donc il y a dans Lévinas des textes qui tirent dans une direction et d'autres dans une direction sensiblement différente. Et en lecteur, on le tire soi-même vers là où il nous convient le mieux, évidemment. Donc je ne peux pas parler en stricte orthodoxie lévinassienne. Je ne suis pas un spécialiste de Lévinas. Il se trouve que depuis un certain temps, je l'ai beaucoup lu. Mais je ne suis pas spécialiste au sens où certains universitaires peuvent être des spécialistes méticuleux qui ont lu toute la première ligne à la dernière. Et puis, il y a aussi une évolution interne chez Lévinas. Moi, je la sens très fort avec la Deuxième Guerre mondiale. Je la sens à ce moment-là de façon très marquée. Mais il n'y a pas que ça.
son rapport évidemment à la phénoménologie, par exemple, et donc à Heidegger, qui, comme vous le savez, on l'a dit là, le mois dernier, était nazi, son rapport a donc, qui était extrême, un rapport de pensée très fort, a été évidemment mis à l'épreuve. Il dit à un moment donné, chaque fois que je rends hommage à Heidegger, ça me coûte. Et en même temps, c'est la vérité, il est la vérité qu'il n'a pas cessé pour autant de considérer cette pensée comme une immense pensée du XXe siècle. Mais il est vrai aussi qu'il lui a bâti une sorte d'alternative. Voilà. Alors, donc il y a ce premier élément, comment répondre au nom de Lévinas, c'est très difficile. Et puis, comment forcément éviter, mais je pense qu'on y viendra en cours d'année de plus en plus, de répondre aussi en son propre nom, de dire par exemple sur la question de Marc, au fond, comment moi j'aurais envie d'y répondre, comme vous avez fait légitimement, je crois. C'est-à-dire que c'est... Alors, ce que je peux dire, c'est simplement ceci, c'est que la justice, je pense, chez Lévinas, c'est à entendre au sens assez ordinaire et assez simple du mot justice, du sentiment de justice, et aussi de l'injustice, du sentiment de l'injustice qui lui donne souvent accès. Il est vrai qu'on a souvent accès à l'idée de justice parce qu'on a le constat d'une injustice, hein, qu'on constate et qu'on observe et qu'on se révolte devant une injustice. La justice ne se présente pas à nous comme ça, toute armée. Et je crois que l'axe de ce qu'il cherche, c'est à montrer que la justice n'est pas simplement une relation d'équilibre entre des réalités, ou ce que nous aurions appelé le mois dernier, des étangs et de statuts équivalents. Qu'il y a une espèce de... C'est pour ce que j'ai voulu indiquer par le mot de vertige, qui en l'occurrence, c'est moi qui l'ai introduit là, par une espèce de déséquilibre très, très fort. À partir d'un certain moment donné, à partir des années... fin des années 60, début des années 70, Lévinas est absolument obsédé par l'idée que le rapport à l'autre est totalement dissymétrique et totalement vertigineux, et que s'il faut avoir conscience de ce vertige pour s'ouvrir à ce qui est juste. Que la justice ne peut pas être simplement une espèce de connaissance équitable. Voilà. Qu'il y a cette... Alors c'est vrai que l'essentiel des analyses de Lévinas, c'est consacré pendant des dizaines, des centaines de pages, et avec une inventivité proprement poétique qui par moments me stupéfie, au commentaire de cette relation au visage de l'autre, à la présence de l'autre, comme quelque chose qui me met radicalement en cause, en tout cas dans l'idée, si je me comprends comme moi, comme identité. Dans ce que a produit Ricoeur, sans doute en partie d'ailleurs, en dialogue avec comme dialogue avec cette pensée, dans l'ouvrage « Soi-même comme un autre », il y a bien sûr ce retournement et que Lévinas indique, et dont tu parlais, je crois, dans ton dernier éditorial, là, que j'ai lu sur le site tout récemment, qui indique aussi qu'il y a quelque chose qui conduit à, une fois qu'on est en quelque sorte habité par ce vertige de l'idée de l'autre, à pouvoir s'entrouvrir à la possibilité de s'aborder avec S apostrophe, comme un... Mais c'est aussi, ça serait aussi se s'aborder comme autre. S'aborder le moi pour s'aborder comme autre. Ça, c'est sans doute quelque chose. Vous savez que Ricoeur avait à cet égard une référence qui m'a vertigineusement touché parce qu'elle touche au cœur de ma toute première jeunesse, la fin de mon adolescence. C'est une phrase de Bernanos qui a sans doute donné la matrice de ce titre, soi-même comme un autre, qui est la phrase qui conclut le journal d'un curé de campagne, non pas le tout est grâce qui est dans la lettre, l'espèce de post-scriptum, mais la phrase, la dernière phrase signée dans le journal du curé lui-même, où il dit le plus facile est de s'oublier, non pardon, excusez-moi, le plus facile est de se haïr, la grâce est de s'oublier, mais si tout orgueil est ébord en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants du Christ. C'est-à-dire, au fond, de se traiter soi-même comme un autre. Et c'est ce que Ricoeur cite dans cet ouvrage comme une des sources, enfin, de ce titre. Alors, il y a certainement ça au terme de... Enfin, en horizon de quelque chose qui est aussi, quoique pas formulé de cette façon, bien sûr pas en termes christiques ou chrétiens, mais même pas en termes
qui l'approche chez Lévinas. Mais Lévinas a apparemment l'idée que c'est s'exonérer trop vite, que ça serait s'exonérer trop vite, qu'il faut quand même garder cette espèce de sévérité à l'égard du moi, à l'égard de moi et à l'égard du moi. C'est-à-dire que le danger est ce danger de l'appropriation violente, guerrière, de tout ce qui m'entoure au nom de l'identité du moi à moi-même. Et qu'il faut... La lutte est longue, quoi, en quelque sorte, pour Lévinas, contre cette autorité qu'il considère comme sans doute meurtrière. Alors, la justice, c'est d'abord cet accès à ce vertige. La justice, c'est pas dire, bon, ben, un tel a sa part, l'autre a sa part, tout va bien, dans une... Oui. C'est d'abord cet accès à cette ouverture à ce qui nous dépasse infiniment, voilà. Ça serait donc de renoncer à toute volonté de connaissance, de mainmise, d'appropriation, de chosification, ça va être pire en pire, sur tout autre. C'est-à-dire, c'est presque un immobilisme face à l'autre. Est-ce que ça ne risque pas presque d'être un immobilisme si on renonce, si ce qui est juste, c'est de considérer que c'est tellement infini, tellement fragile, que ça inhibe toute démarche, toute volonté de pouvoir s'approprier en aidant. En alors, c'était un peu ma question. Voilà. Ça rejoint aussi une question que vous posiez aussi tout à l'heure avant la séance, monsieur. C'est Lévinas avait, c'est paradoxal avec ce que je viens d'exposer, un immense respect pour la connaissance au sens scientifique du mot. Il était en un certain sens très respectueux à l'égard de la raison et du rationalisme, même du rationalisme. Et il n'a absolument pas un mysticisme, un peu sauvage, un peu brutal, et qui enverrait promener la connaissance au nom d'une espèce d'intuition, vous voyez, sensible. Mais ce qui est vrai, c'est que à partir du moment où cette connaissance s'exerce, elle détient en elle le risque de cette appropriation. Et je dirais que, pour répondre à ta question, je dirais qu'il me semble que la connaissance, il est légitime qu'elle s'exerce, elle est inévitable, elle est souhaitable. Mais néanmoins, elle doit sans arrêt se réserver. Tu vois, il me semble, je dirais comme ça. Oui, non pas se paralyser, certainement pas, mais en tout cas se réserver. Hein. C'est le sens même du mot respect, comme vous savez. Hein. Le mot respect ne veut rien dire d'autre que ce sens d'une certaine distance à l'égard de ceux que l'on regarde et qu'on observe. Alors là, le filon serait interminable. Il est évident que, bien, malgré la thématique du visage, et selon une lignée qu'on retrouve beaucoup dans la pensée juive, mais aussi dans la pensée protestante, par exemple chez Ellul, la thématique est souvent en termes auditifs, plutôt qu'en termes, c'est le ex auditu, quoi, vraiment. C'est-à-dire que plutôt qu'en termes visuels, si visuel veut dire saisissement d'une forme visible. C'est pour ça que quand il dit apparition, il dit l'apparition me parle. C'est-à-dire, c'est même dans son silence, c'est un discours. C'est pas l'apparition d'une forme en tant que simplement forme plastique. C'est pas simplement je ne vois pas. L'apparition est un discours. C'est une épiphanie. C'est pas simplement une forme devant laquelle je serais. Un discours par la présence. Enfin voilà. Mais alors c'est vrai que, je ne sais pas, il y a quand même souvent dans la Bible, et je crois qu'on le reconnaît quand même un peu dans Lévinas ici, je pense, mais entre théologie et éthique, c'est-à-dire que, par exemple, dans les deux tables de la loi, c'est connu, les premiers termes concernent le respect à Dieu, et c'est dans le deuxième qui a marqué « tu ne tueras pas », mais souvent, on lit les deux tables comme si elles étaient décalquées l'une par rapport à l'autre, si vous voulez, celle de rapport à Dieu et celle du rapport à l'autre. C'est un grand classique, si vous voulez, de la théologie biblique. C'est qu'en fait, la théologie, quand on dit quelque chose sur Dieu, quand on dit Dieu est créateur, c'est pas simplement de la théologie, un discours, une connaissance sur Dieu, c'est aussi un commandement éthique. Ça veut dire qu'il vaut quand même plutôt mieux faire preuve de créativité que de dilapider, disperser, gaspiller. À ce moment-là, on est diabolique. Donc, si vous voulez, la justice... Ça dépasse de la simple petite morale, c'est de la théologie, c'est-à-dire qu'on touche à décrire Dieu lui-même, en fait, puisque théologie et éthique sont les deux faces. Vous voyez, un attribut sur Dieu devient un commandement éthique, mais même
plus que ça, ça devient une promesse de ce qu'on peut être, et ça devient peut-être, du coup, on peut, il semblerait dire qu'on peut le reconnaître dans le visage de l'autre, finalement. Par conséquent, c'est vrai que quand on parle de justice ou d'éthique, ça devient un enjeu immense, finalement, parce qu'on parle de Dieu qui est l'infiniment autre. Donc ça demande surtout, dans ce contexte peut-être, où voilà, on ne peut pas représenter Dieu, on ne peut pas le chosifier. Donc du coup, l'éthique non plus, finalement, dans un certain sens. C'est un peu délicat. Mais en même temps, donc on reconnaît quand même beaucoup de choses bibliques dans ce que dit Lévinas. On le reconnaît à chaque ligne, finalement. Mais on y reconnaît quand même du christianisme aussi, c'est-à-dire cette idée. Moi, en t'écoutant, je me disais, mais on y reconnaît quelque chose de très christique. D'ailleurs, le mot épiphanie, même si c'est un terme grec, je pense qu'il y avait des épiphanies de Zeus et de Jupiter, je ne sais pas, enfin en tout cas de Zeus ou de je ne sais pas quelle autre divinité grecque. Grosso modo, quand même, quand on parle d'épiphanie dans notre culture, on passe quand même plutôt, on parle à l'épiphanie du Christ, c'est-à-dire bon, la parousie, la venue dernière du Christ qui va finalement régner et tout transformer. Donc, ça, c'est quand même assez christique ce qu'il raconte, non ? Et puis dans l'autre, la faiblesse de l'autre qui du coup nous fait obstacle. Alors nous, on pense peut-être au petit bonhomme Tiananmen devant le tank, si vous voulez, en se disant, non ? Dire l'autre complètement démuni face à ce tank monstrueux qui doit peser 42 tonnes. Le tankiste s'est dit, mais je ne peux pas l'écrabouiller comme une mouche, quoi. Alors qu'il y aurait eu un tank en face, il l'aurait dézingué d'un tout coup de canon de 150 sans hésiter une seconde. Donc c'est quand même rigolo, effectivement. Mais ça, c'est quand même très christique, c'est-à-dire cette force du Christ en croix qui l'emporte sur le monde, sur la négativité, par la faiblesse, en se laissant écrabouiller. Et ça, c'est du Ésaïe 53. Mais de valoriser un Messie serviteur souffrant, c'est pas une évidence totale, peut-être, pour un... Si ? Pour un juif. Donc est-ce qu'il n'a pas été c'est-à-dire quel était son rapport à la théologie chrétienne, Lévinas, est-ce que tu as une idée? Je pense que c'est un rapport de dialogue permanent, mais en même temps il a été sans doute très marqué et très impressionné par l'exemple de Franz Rosenzweig qu'il cite sans cesse, qui était ce philosophe juif allemand qui a été happé par un désir de conversion au christianisme, très fréquent d'ailleurs dans ces milieux, à Francfort, jusqu'à un moment où il dit non, voilà, où il dit non à la conversion. Et c'est très, très impressionnant, mais ça concerne un rapport, une question générale du rapport entre judaïsme et christianisme, c'est que, en tout cas au XXe siècle, et souvent sous l'effet des persécutions, et ce n'était pas le cas de Rosenzweig, c'était avant, mais bien, que ce soit Bergson, qui est vraiment dans un rapport avec le christianisme extrêmement intense, que ce soit Simone Veil, dont le rapport au christianisme va même jusqu'à des propos sur les juifs qui sont extrêmement déplaisants, mais quand même, il y a un pas qui n'est pas franchi, à un moment donné. Et c'est chez Lévinas, il est certain que le dialogue est permanent, mais alors chez Lévinas, c'est catégorique. Assez tôt, avant-guerre déjà, et a fortiori, alors après-guerre, alors là, l'approfondissement de ce qui se joue pour lui dans le judaïsme comme tel est permanent. Mais c'est un judaïsme particulier parce que d'abord, il est universaliste, sans cesse, il ne cesse de le dire. Il y a des phrases qui m'ont beaucoup frappé, que je lisais cet après-midi encore dans un texte que je n'avais pas encore lu, à la fin du deuxième volume des lectures talmudiques, où il dit que tout homme est membre d'Israël, en ces termes. Et donc, c'est assez paradoxal, parce que d'un autre côté, il est catégoriquement, d'abord institutionnellement, c'est un homme qui a vécu dans les institutions juives, et puis en même temps, dans ce qu'il dit, sa fidélité à Israël est absolument indiscutable. Mais en ce qui concerne le rapport au judaïsme, et je voudrais vous laisser parler aussi, dire que moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup là-dedans, mais c'est exactement ce que tu viens d'évoquer à propos des deux pages, des deux moitiés du décalogue, c'est que lorsque j'entends dans le culte, par exemple souvent dans les prédications,
ou dans la liturgie, cette formule extraordinaire que le Christ répond à la demande sur les commandements en disant, ben voilà, ben tout ça, enfin, ça se résume à deux choses, à deux commandements. Le premier, c'est tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence et de toute ton âme, quelque chose comme ça. Et le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce qui m'épate toujours, c'est le deuxième commandement qui lui est semblable. C'est-à-dire, ce qui lui est semblable. C'est-à-dire, c'est le même, en fait. Dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est au fond, c'est le même commandement que dire tu aimeras Dieu de toute ta force et de toute ton âme. Et c'est moi, c'est ce qui lui est semblable, je l'entends toujours comme un espèce de coup de gong incroyable. C'est vrai que c'est assez proche de ce que j'ai, mais est-ce que je n'ai pas tiré un petit peu de mon côté? Vous savez, des Lévinassiens de stricte observance me reprocheraient alors à moi de christianiser Lévinas fortement. Ça, il n'y a aucun doute, hein, c'est certain. Bon, voilà. Peut-être qu'à une époque où les Juifs avaient tendance, les Israélites avaient tendance à se tourner vers d'autres divinités, il était nécessaire de rappeler qu'il fallait aimer Dieu d'abord, et puis ensuite son prochain de la même façon. Parce qu'il y avait quand même il y a eu de sacrés problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres... Les religions d'un côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou point de vue, question ou point de vue, hein. Pas forcément des questions. Oui. Est-ce qu'on peut approfondir un petit peu plus cette notion de l'idée que l'infini aurait été placé en nous. L'idée de l'infini aurait été placé en nous. Puisque justement, le texte montre que c'est une idée qui ne sert à rien de servir à travers autrui, mais chacun est entrepris pour chacun. Alors ça, c'est une idée strictement cartésienne. Hein. Dans Descartes, il y a peut-être des gens qui sont très familiers ici de Descartes. Dans Descartes, c'est une des étapes du chemin, et Descartes continue, placé en nous, ça veut dire donc placé par Dieu. C'est une des étapes qui montre que quelque chose en nous ne se comprend pas sans la référence à Dieu. Alors, chez Lévinas, c'est pareil, certainement. Mais Lévinas, en quelque sorte, s'arrête à cette étape un peu plus longuement que dans Descartes, où chez Descartes, ça a une conclusion, comment dire, très, si on reprend les catégories qu'on a mis en place le mois dernier, très ontologique, enfin très ontothéologique, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est ici à poser comme un étant suprême, voilà, et dont la présence et dont l'action est attestée par le fait que j'ai l'idée de l'infini. Lévinas, sans doute dans la même lignée, mais s'arrête au moment de l'idée de l'infini, et puis il s'y attarde. Il s'attarde à cette question de comment est-il possible, comment se passe-t-il, comment se passe ce rapport où j'ai l'idée de quelque chose que je ne contiens pas. Voilà. Et c'est ça qu'il étend, pas seulement à l'idée de l'infini, qui est chez Descartes, elle est sans doute une idée essentiellement cosmique, hein. Je pense que c'était, enfin j'en sais rien, je ne connais pas assez Descartes pour le dire au mieux, mais c'était sans doute une idée qui, l'idée de l'infini dont il s'agissait, était une idée véritablement issue de la mathématique de son temps et probablement essentiellement cosmique. Il l'étend à de façon très étrange, qu'on a essayé de creuser un peu là ce soir, il l'étend à ce rapport où je me trouve face à ou à côté d'eux, autrui, et que c'est là que l'infini se met, c'est là que se trouve cette chose qui m'excède complètement, quoi, voilà. Et donc, le « mise en nous », je crois que c'est vraiment presque une citation. Enfin. Est-ce que ce n'est pas une référence à la théologie, par exemple, johannique, avec l'idée que Dieu... comme le Père est en moi et que je suis dans le Père, et voilà, vous êtes, on est aussi habité par Dieu, par l'Esprit Saint, et puis du coup, voilà, et donc l'être humain est en même temps finalement petit, mais en même temps infini par quelque chose qui le dépasse. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose d'assez présent dans la théologie chrétienne, mais on peut en voir des traces, par exemple, au début de la Genèse, quand on dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Donc c'est vrai que ça donne, là aussi, comme un vertige à reconnaître dans la personne humaine. Et du coup, avec le respect infini de Dieu, dont le nom n'est même pas prononcé dans le judaïsme, en tout cas depuis quelques millénaires,
Ce qui me rend très juif, comme tu as remarqué, parce que je le prononce très peu. Voilà. Eh bien, effectivement, c'est un respect, donc, effectivement, devant cette... Et ça, c'est une grande tradition, finalement, de la théologie apophatique. Je ne sais pas s'il n'y avait pas le mot, quelque part. C'est-à-dire de dire, on fait beaucoup de théologie, mais on ne peut rien dire de Dieu en propre, finalement, avec exactitude. Et donc, peut-être que par rapport à l'autre en face, on reconnaît, voilà, quelque chose d'infini qui nous dépasse et dont on ne peut rien dire. On peut dire, c'est une personne d'un mètre 80... qu'a des cheveux blonds ou des cheveux noirs, mais ça ne dit rien sur la personne. Et je ne sais pas, c'est déjà peut-être un premier point de l'éthique, je ne sais pas. De ce point de vue, d'ailleurs, j'ai été amené, il n'y a pas longtemps, Michel était là, à un colloque récent autour d'un poète contemporain qui s'appelle Michel Deguy, où je parlais de Lévinas aussi, j'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines, mais bon, c'est pas, on va passer à autre chose, hein, à y mettre une idée qui me tient à cœur, qui est qu'au fond, le discours sur Dieu le plus actif est peut-être le discours poétique. Parce que c'est celui qui prend en compte l'impropriété, tu vois, l'impossibilité de parler... Qui assume cette, l'impropre, le fait qu'il est impossible de parler proprement et de Dieu. Et que... moi, j'avais été frappé par ça, au cœur de mon athéisme absolument radical, en travaillant au théâtre sur un texte de Hugo, lorsque je travaillais avec un acteur qui avait à dire, c'est-à-dire il jouait le rôle d'Hernani face à Donia Sol, mais ce n'est pas à vous que je parle en ce lieu, je parle pour le ciel qui m'écoute et pour Dieu. Et ce qui m'avait frappé, c'était que le mot Dieu arrivait, à cause de la rime, attendu en quelque sorte par la rime, conduit par l'alexandrin, non seulement par la rime, mais par le compte des syllabes, arrivait avec une espèce de plénitude, purement poétique, et moi, je n'avais aucun, non seulement aucune réticence, mais une véritable joie à l'entendre et à le faire prononcer, tu vois. Je parle pour le ciel qui m'écoute, et pour, je ne sais pas si le ciel nous écoute, enfin, qu'est-ce qui peut nous écouter comme un ciel, je ne sais rien, hein. mais en tout cas, ça sonne. Poétiquement, ça, y a, alors là, pour le coup, je dirais avec toi, Michel, que ça a une justesse. Il y a une espèce de justesse du discours, et il m'est arrivé de remarquer que, alors que les discours sur Dieu parfois grincent à mes oreilles, parce que je les trouve un peu, voilà, peut-être je suis très apophatique à ma façon, je ne sais pas, mais je les entends souvent grincer, disons sonner faux, pour dire vite, pas toujours, hein, mais souvent, le discours poétique avec à cette espèce de force qui lui permet de dire ce qu'il sait qu'il ne dit pas. En même temps, il dit je le dis, et en même temps, je sais que je ne peux pas proprement le dire. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur. Comment faut-il concevoir les lettres majuscules dans autrui, moi et même? Oui, merci beaucoup. C'est très important parce que, bon, Lévinas en use beaucoup. Alors, c'est très facile pour moi et même d'y répondre. C'est l'emphatisation, hein, c'est ce qu'on appelle l'emphatisation, le fait d'un emploi emphatique du mot qui consiste à citer en quelque sorte, c'est presque dans le cas du même et dans le cas du moi, c'est presque une citation de ce statut que le même s'accorde à lui-même comme sa majesté même, comme sa même-té, c'est-à-dire sa même-té au sens de son identité en gloire, son identité triomphante. Et en ce sens, je crois que lorsqu'on dit « moi » avec une minuscule, c'est qu'on a tendance à essayer de le minusculer, en quelque sorte. vous connaissez ce livre sublime de Pierre Michon qui s'appelle « Vie minuscule », qui est un très très grand livre, et à certains égards, un livre de très grande théologie poétique, qui consiste à porter en gloire des vies parce qu'elles sont minuscules et en tant que minuscules, c'est-à-dire des vies complètement ordinaires, courantes, banales, qui sont en l'occurrence magnifiées de façon somptueuse par un style. Donc le moi et le même, alors, il est vrai qu'en philosophie, c'est souvent le fait dans l'emploi conceptuel, lorsqu'on veut différencier l'emploi conceptuel, mettre en valeur le concept en tant que concept,
de l'usage dans la langue la plus ordinaire, on met une majuscule. Pourquoi ? Tout simplement parce que les plus grands concepts de la philosophie, tous en un certain sens, sont des mots de la langue ordinaire. Vrai, être, bien, bon, ce sont les mots plus le concept est important, plus le mot est simple. Et en quelque sorte, souvent pour porter l'attention sur l'écoute qu'on leur accorde, la majuscule était un moyen classique. Alors là, évidemment, Lévinas est tributaire de ça. Il faut dire aussi que Lévinas est un francophone tardif. Et que, je ne sais pas ce qui se passe en russe, mais Lévinas pratique extraordinairement bien l'allemand, et vous savez sans doute qu'en allemand, vous le savez peut-être mieux que moi, parce que je ne suis pas germanophone, mais je sais ça, c'est qu'en allemand, le rôle et la place des majuscules est absolument pas, se joue pas du tout de la même façon qu'en français. Alors, pour autrui, c'est plus compliqué. Parce que pour autrui, je crois qu'il y a une volonté qui en même temps est contradictoire. Une volonté de dire, attention, il ne s'agit pas... écoutons que l'autre, c'est pas simplement, voilà, mais ça a le statut d'une altérité absolue, hein, sur laquelle j'ai beaucoup insisté, et il ne recule pas devant le terme. Mais en même temps, si on va au bout de ce qu'il dit, cette altérité est absolue justement en tant qu'elle est quelconque. Et il faudrait pouvoir jouer sans cesse sur le... D'ailleurs, vous verrez dans le texte, si vous avez le mien, je parle, si vous avez le désir de le relire, j'en profite pour dire que les textes de ces conférences qui sont écrites, hein, sont disponibles sur le site de l'oratoire grâce à Marc et aux animateurs du site, et puis sur le mien, puisque j'ai un site personnel où on peut trouver, dans les deux cas, aussi bien la vidéo que le texte lui-même. Je porte beaucoup d'attention à cette écriture, et vous verrez peut-être que je joue des majuscules et des minuscules de façon voilà, un peu attentive. Oui, madame ? Excuse-moi, monsieur, pardon. Oui. C'est un peu brouillant, hein, les questions que je vais dire, mais concrètement, en fait. Est-ce que le visage qui va se présenter à moi, on va dire, non pas tu ne me tueras pas, mais tu ne tueras pas, est-ce que c'est un visage qui a déjà conscience, qui est en état de pouvoir laisser passer l'infini à travers lui, ou... Je crois que j'ai compris la question. Ou alors ce serait... Enfin, j'hésite avec et la singularité, et est-ce que c'est l'infini qui permet de passer justement la singularité, ou c'est l'inverse? Alors, parce qu'il y a déjà une énorme question là-dessus, tu pourras reprendre si tu veux, à laquelle il est assez simple de répondre. Lévinas ne se pose jamais du point de vue de l'autre. Il se place toujours devant l'autre. Donc en fait, la première partie de ta question, à savoir, est-ce que c'est un visage qui est déjà, tu vois, habité par... En fait, il n'en sait rien et la question, c'est pas celle-là. Je dirais, j'aurais affaire, excusez-moi de la grossièreté de ce que je vais dire, enfin, au sens, j'aurais affaire à une brute, au sens étymologique du mot, à quelqu'un frappé d'une apparente idiotie, à une espèce de presque, de quasi-animalité la plus épaisse ou la plus pathologique. Le rapport serait exactement le même. Il n'y en a pas d'autre, hein. c'est pas un visage, comment dire, inspiré, ou tout visage est inspiré à ce titre, il me semble. Donc en fait, dans les textes que j'ai lus au moins, il me semble qu'il se place jamais du dedans. Alors, sauf quant à la question de savoir, et là, je ne suis pas très à l'aise parce que ce sont des textes de Lévinas que je ne connais pas aussi précisément que ceux dont je parle là. Quant à la question de savoir dans quelle mesure je suis moi-même un autre, hein, je sais que Lévinas y entre par la question du tiers. C'est-à-dire, je sais que Lévinas entre là-dedans par la question du fait de dire on n'est pas simplement deux dans une relation à deux, il y a un troisième. Il y a un troisième. Et donc, par rapport à ce tiers, il y a bien une forme d'altérité où laquelle, moi, mon rapport ne se joue pas de la même façon. Mais je te remercie, en revanche, de cette très belle remarque, je trouve, oui, que j'y avais pas pensé sous cette forme, que le visage ne me dit pas « tu ne me tueras point ». Bravo, il dit « tu ne tueras point ». C'est pas pareil. Le visage ne dit pas « tu ne me tueras point » au sens purement défensif du terme, même si ça inclut évidemment ça dans le... Mais
mais tu ne tueras point. C'est-à-dire l'injonction n'est pas simplement défensive, quoi. Ça, c'est vrai. Elle est divine, en fait. Oui, oui c'est ça. Oui. C'est... Excuse-moi de t'avoir coupé, je ne sais pas si tu voulais. Oui, Philippe. Lui ne se met pas au pluriel. Oui, c'est ça. Donc, ça serait les autres. Oui. Mais si on met les rapports sociaux au lieu de mettre le rapport social, oui. Où est l'infini? Oui. Nous vivons dans des sociétés. Oui. C'est très étrange, cette assimilation du rapport social, quand il dit autrui, c'est-à-dire le rapport social. Je ne m'y suis pas attardé parce que c'est une étrange question, je trouve. Alors, je sais que par ailleurs, ce que je viens de dire, la question de la société chez Lévinas est introduite comme question du tiers. Mais Lévinas, dans les années 50, est devant une pensée où la référence au marxisme est très importante et aux questions sociales en général. Donc il entre là dans ce dialogue. Mais c'est vrai que c'est étrange parce qu'on a l'impression, dans ce texte au moins, que ce dont il parle, bon, c'est social si on veut dire par là tout dialogue comme étant social, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas la pluralité des autres qui est mise en cause. Ça, tu arrêtes. Puis ça, c'est aussi une très belle remarque, qu'autrui ne se met pas au pluriel. Oui, c'est vrai. Bravo, c'est fort, oui. Merci. Parce que, oui, je vous en prie. Lorsque je dis ceci, la vraie extériorité est dans ce regard qui m'interdit toute conquête. Bon, si nous sommes dans le domaine social, dont on vient de parler, comment allons-nous pouvoir nous rapprocher de l'autre, le comprendre? Comment les rapports entre couples, les rapports entre d'amitié, la communion dans une œuvre commune va-t-elle pouvoir s'organiser ou même naître si l'autre me reste totalement fermé et s'il me résiste en tout point? Alors il ne s'agit pas de l'absorber, il ne s'agit pas de phagocyter, mais il s'agit tout de même d'essayer d'entrer en liaison avec lui. Bien et sûr. Comment va-t-on entrer avec lui, en liaison avec lui, s'il m'interdit toute conquête? Oui, bien sûr. Il interdit la conquête au sens de l'appropriation, la domination, bien sûr. Alors, je me permets deux remarques dont une est vraiment adjacente, mais je crois que c'est utile de la faire. Bon, la première, c'est que vous avez raison, il y a chez Lévinas un durcissement qui va d'ailleurs beaucoup, beaucoup s'accroître dans les années 70, où il va d'ailleurs produire des textes extraordinaires, somptueux à cet égard, mais incroyablement durs, autour d'une thématique très sacrificielle, où moi je suis otage de l'autre, je suis constitué comme otage de l'autre, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de coopération rafraîchissante, si vous voulez, dans ce type d'échange-là. Moi je le vis comme ça, et d'ailleurs c'est une des limites, à mon égard, de cette pensée. Et on le sent s'annoncer là, dans les phrases comme celles que vous évoquez, même si dans cette phrase-là, le mot « conquête » est désigné uniquement comme rapport guerrier, quoi. Et par ailleurs, je voulais simplement vous dire aussi, parce que je crois que c'est utile peut-être de le mentionner au passage, on va laisser Lévinas un peu sur la berge hein, pour aborder à d'autres textes. Je voulais simplement dire que ma remarque sur Bresson à la fin et le tout-face, qui fait référence à des choses que l'on peut trouver dans Lévinas, pose la question du visage quand ce n'est pas le visage, quoi. C'est-à-dire la visagéité du corps. Visagéité du corps, c'est une expression que j'emprunte à Deleuze, et je suis sûr que Deleuze y a fait référence en pensant à Lévinas, c'est-à-dire dans les livres de Deleuze sur le cinéma, et en réfléchissant sur le gros plan, et singulièrement sur le film de Romère, moi personnellement, pour lequel je n'ai pas une admiration extraordinaire pour ce film, mais enfin bon, Le genou de Claire, il y avait une réflexion sur la question du gros plan qui constitue en visage, dit Deleuze, toute partie du corps, et même éventuellement des choses, mais enfin restons-en aux parties du corps, qu'il traite. C'est-à-dire que ça peut visagéifier, en quelque sorte, un coude, une épaule, un pli du cou, etc. Et c'est très important, parce que le visage, chez Lévinas déjà, même si dans ce texte ça se voit moins que dans des textes ultérieurs, est décentré par rapport au seul regard. Alors que chez Sartre, la relation est absolument nouée à l'affrontement des regards. Mais chez Lévinas, le visage, c'est déjà aussi quelque chose d'autre du corps qui peut se jouer comme visage. Et donc, ça pose la question de savoir aussi si cet rapport avec la face comme face, à moins qu'on l'entende comme le gueux de Montaigne, n'est pas un peu trop
visage eau-centriste. J'en profite pour vous dire, puisque c'est, tu ne l'as pas encore dit avant que tu veuilles le dire, simplement que comment on va faire dans les séances précédentes, on ne va pas faire une année Lévinas, hein, je me permets de vous rassurer sur ce point, surtout Francine. Donc, voilà. Comme on l'a dit déjà la semaine dernière, la prochaine séance, on recevra Jean-Baptiste Brenet, ce qui est une très grande joie, ou qui est un très grand spécialiste de philosophie arabe médiévale, qui viendra parler du rapport philosophie et théologie à partir d'Averroès. Et je commence à avoir des idées qui se dessinent un peu pour les séances suivantes. Sympa, hein. Oui. Ça sera le 29 novembre, en fait. C'est la séance de décembre, en fait. Voilà, c'est la séance de décembre qui a lieu le 29 novembre. On peut anticiper, 29 novembre, avec, donc, sur Averroès. Le 3 janvier, une réflexion sur le temps, tu vas nous proposer à partir du livre 11 des Confessions d'Augustin. Et alors, il y aura la possibilité aussi de voir un spectacle que tu as monté en allant donc au Théâtre de l'Opprimé, qui est à côté de la gare de Lyon, avec ce texte de Saint-Augustin qui est dit, ça, en fait. Ah, c'est ça, oui. Ça sera le 10 janvier, mais je vous le rappellerai. Le 10 janvier, il y a cette représentation du spectacle sur le livre 11, mais c'est un spectacle que j'ai fait avec d'autres, que certains connaissent bien ici, le livre 11 des Confessions, qui est le livre sur le temps. Hein. Tu l'as vu, toi, Sylvie, ce spectacle ? Deux fois. Oui, il y a des gens ici qui le connaissent bien, ce spectacle. Et donc, mais ce n'est pas exactement pour ça que je l'ai choisi. C'est parce qu'il m'a semblé que le passage par Augustin était vraiment nécessaire. Et quelqu'un a demandé le mois dernier si on pouvait parler du temps. Et je me suis dit, bon, alors si on parle du temps, il faut... C'était vous, monsieur ? Ben voilà, voyez. Pardon ? Oui. Oui. Et puis le 1er février, donc on aura ça, c'est le 3 janvier, donc ça sera, faut pas rater le coche donc du début de l'année. Le 1er février, c'est une interrogation sur l'histoire, voilà. Une méditation sur le lien entre histoire et la question de la révélation. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de vous proposer. Alors là, disons, s'il faut une référence, ce sera plutôt Hegel, bien sûr. Ce sera plutôt on aura plutôt du Hegel dans les parages histoires que voir que Lévinas, c'est pas si compliqué après tout. non, mais c'est. Mais je sais pas si. Dites-le si vous trouvez que c'est. Je sais pas comment vous trouvez. Si vous trouvez que c'est. Est-ce qu'on. Bon, j'ai fait le choix de proposer un texte qui était un peu difficile, c'est vrai, un texte de philosophie, hein, c'est pas. Je me suis pas. Ça réveille les neurones. Moi, je trouve que c'était beaucoup plus clair que quand je l'ai lu toute seule. Oui, c'est gentil. Vous aviez une intonation qui aidait. Merci beaucoup. Et après, vous expliquez. Alors, je trouve que ça, déverrouillé. Bah, tant mieux, merci. Si c'est le cas, tant mieux. Bah, donc, un grand merci. En tout cas, merci à Denis. Je reçois de tout cœur toutes vos observations et suggestions. Par mail si vous voulez ou sur le site, il y a l'adresse du site qui se trouve généreusement indiquée sur le site de l'oratoire, le site personnel sur lequel je travaille, et si vous avez des observations ou des suggestions ou des remarques à nous faire puisqu'on y réfléchit ensemble, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver votre commentaire sur le site là. Oui, bien sûr, ils sont publiés, ce texte là sera publié demain ou après demain et la vidéo faite grâce à Soyoun bientôt aussi, en principe, si ça marche aussi bien que la fois dernière. Tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, ben je voulais te remercier énormément, voilà, de ce merveilleux travail.